Cher peuple de Dieu, shalom chez vous. Je vous salue au nom de Jésus et j'espère que vous allez bien. Je viens devant vous aujourd'hui avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de regrets, beaucoup de peine. Mais je crois qu'il est très important que je vienne par cette vidéo rétablir la vérité et aussi vous informer des changements relatifs à ma carrière. Comme vous le savez si bien, j'ai fait partie du label Big Bomba Music dans mon cheminement récent. Et donc il est temps pour moi de me retirer, afin de poursuivre de nouveaux horizons pour les raisons que je mentionnerai dans la suite de mon message. Tout a commencé par mon contrat, précédé de promesses juteuses. Et donc je me voyais bien me développer. Et je pensais que j'avais trouvé une famille qui m'aimait et qui croyait en moi. Mais malheureusement, ayant signé aveuglément, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et donc, je vais essayer de parler de comment tout a commencé, toute cette frustration et tout ça. En termes de contrat, écoutez, il y a beaucoup de points que j'aimerais élaborer, mais je pense que là on va aller sur l'essentiel. Et donc, j'étais dans un environnement où tu n'as pas le droit d'avoir un avis contraire ya o batunia sobazango. C'est-à-dire environnement où ce que tu penses au kolobangote, donc il faut que tu gardes ça pour toi, ce que tu penses. Déjà que côté rémunération, bon, je vais essayer de vous expliquer que bon, laissez-moi vous poser une question. Qui peut vivre et se retrouver avec 20,83 $ par mois? Je ne sais pas. Eh oui, 20,83 $. 20 $. Ceci représente bien ce qui m'a été attribué sur une période de 20 ans. Allez-y faire le total pour savoir ce que j'ai perçu à la signature et espérons me retrouver au moins avec ma redistribution des recettes de mon album qui ne représentait que 20%. Tout ça, c'est des choses que j'avais acceptées. C'est vrai que vous savez que les premiers contrats sont toujours difficiles. Très souvent, on signe par contrainte, mais voilà. Au nom de la loyauté, au nom de sa passion, on signe. Après, ma frustration, et Bandi Soukoya Nani Nina, lorsque tu es dans un environnement où il y a plein d'interdictions. C'est-à-dire, telle personne au cours cela n'a été, telle personne au cours. Environnement encore serré, environnement encore. Et ça étouffe, au fait. Moi, j'ai eu un parcours, ma carrière dans la musicale. Et dans le parcours, il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu des gens qui m'ont prêté main forte. Ben, ingénieur de son, ben, instrumentiste. Et ça s'est fait que, bah, ton agneau se retrouver place Moko X.
Alors moi, je ne peux plus avoir des contacts ou des relations bien avec ces gens-là. Ce qui n'a pas mon yonamutu X, c'est que kakaïli au lobby le mon boué. Donc, ils ont le quoi? C'est une habité. Ils ont paranoïa. Je ne sais pas comprendre. Donc, on ne peut pas te voir avec telle personne. Ceux qui ont Zanamutu X, c'est que Kaka Olobi, Likambo, Mboueto, voilà, cet environnement-là. Et moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, je ne suis pas un garçon des problèmes. Je ne suis pas quelqu'un où Alinga a un problème, Alinga a un environnement, a un problème. Demandez autour de moi, on vous dira. Je ne suis pas un homme de problème. Et donc j'étais étouffé. Environnement, là, et on est quoi étouffé, là. Je supporte en hôté que telle personne en solana été, telle personne a tabou kouté dans la moi bosse le lesate. Parce que ce bah mon ibino bosse solo. On va ramener là-bas, on va aller ramener les histoires avec beaucoup de commentaires, bah mon aki bango et tout ça. Mais c'est. C'est triste. Et. On va aller sur l'affaire vidéo. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis un artiste musicien. Ok? Et chrétien. Si quelqu'un me demande de faire une vidéo pour lui ou pour quelqu'un au approche naïe, bon, on sous-entend que Moutoumoua Benginga. Allô, Teddy, est-ce que tu peux faire une vidéo pour quelqu'un? S'il te plaît, la personne s'appelle telle. C'est la vidéo anniversaire et tout. Ngana sali vidéo et anniversaire. J'ai dit joyeux anniversaire, pardon, telle personne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait un petit vocal ici. Comment nganoye ba mutu mukolo anniversaire wana? Est-ce que je suis obligé de savoir que mukolo anniversaire wana est à telle personne? Non, je ne peux pas savoir nga salilanga vidéo ya anniversaire pour na tel mutu. Je fais ça. Na sala, il y a des gens même que je ne connais pas sur Instagram. Je vois que la personne m'a écrit 2, 3, 4, 5 fois, a insisté. Je vois, bon, c'est quand même important et c'est quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que je fais? Je fais la vidéo. Je ne demande pas. Bon, mutango la vidéo anniversaire à Anani et Panayo. Est-ce que j'ai le temps de demander tout ça? Je fais une vidéo et puis voilà. Et on a eu des réunions maintes fois à cause de cette vidéo-là. On en a parlé. Moi, le frère du pasteur, la soeur du pasteur, membre, il y a la belle Bibomba, Madame Raissa, Kenneth, on en a parlé. Vous m'avez demandé vidéo et tout ça. On a entendu que Oswakim Bongo, Majabu, Oswakim Bongo et tout ça. J'ai essayé de vous expliquer plusieurs fois que Nazwim Bongo mon côté, Nazwim Bongo Yamutu mon côté. Dans sa vidéo, wana, j'ai envoyé à mon frère qui m'a demandé. Je ne connaissais pas la personne et je n'avais pas demandé. C'est la dame en gros dans sa vidéo, c'est qui? Est-ce que j'ai le temps de demander à ça, de demander ça? J'ai mille et une fois essayé de vous faire comprendre que Nazwim Bongo mon côté, Nakesika mon côté. Mais voilà, jusqu'au point que j'ai été obligé de vous montrer des preuves. Écoutez, lorsque la parole d'une personne ne sert plus à rien, lorsque la parole d'une personne est opposée sous T, lorsque manque de confiance est coaché, qu'est-ce que vous voulez? N'a expliqué, Bino, mais vous avez voulu des preuves. J'ai pris des preuves, je vous ai montré. Malheureusement pour moi, j'ai été roulé encore une fois de plus parce que, bah, preuve en et s'est retourné sous contre Ngamoko. Voilà, ils sont sur la toile partout, par-ci, par-là, où on entend ma voix en train de me justifier et tout ça. Et si Luanate, ça a continué, frustration sur frustration. Mais attendez, moi je pense que Makamwana me sous-soukou toupé. Je pense que peut-être le pasteur peut aller, bah, à éviter.
Quand vous m'appelez, vous me mettez la pression, quand vous me posez des questions sur des choses que j'ai déjà répondu, j'ai déjà dites, vous me reposez les mêmes questions, vous m'harcelez, vous me mettez mal à l'aise, vous m'étouffez et tout ça. Je ne peux plus respirer dans cet environnement-là. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Seulement parce que j'ai fait cette vidéo-là. Je suis choqué, je ne peux pas comprendre. Propre famille, Nayo, les propres personnes avec qui tu bosses, avec qui tu travailles. Je vois maintenant le pasteur qui passe à la télé et qui dit Teddy Azokende, Azadija Nanzela, Azokende, tout ça. Bon. Écoutez, Dieu est juste. Zambaza juste et fidèle. Tolobango, chaque fois, on le dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mais peut-être un moussoutou réalisé en côté. Dieu est fidèle. Si je suis innocent dans toute cette histoire, ce qui n'a ébili kambou morté, ce qui n'a zumbo mamoutou morté, ce qui n'a salakélo morté, n'a intention, y a blessé qui que ce soit, ce qui n'a sa qui vidéo, n'a intention, et qui intentionnel que je savais ce que je faisais. Dieu me voit. Dieu me voit. Et c'est Dieu-là. Il sait que j'ai raison. Il sait que je suis innocent. Il va me justifier. Ça maintenant, tu as justifié Ngaka. Là maintenant, je suis menacé. J'ai des messages, des menaces, j'ai des chantages, des gens qui m'appellent. Toi, on va te montrer ton laxao. Yo loco, osa traître, osa boy. On va te montrer ton laxao. Bah pirater WhatsApp nanga, bah comment pirater, bah Lucky bah pirater Instagram nanga, bah sali bah capture bah message nanga pour envoyer na bah conversation nanga mususu. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Bon Lucky bon mon ami ni navi nanga. Je n'ai rien, je ne cache rien. Na beta masolo ya awa awate, na beta pe masolo ya awa awate. C'est pas ma vie, je ne suis pas comme ça. Vous vous trompez de personne. Vous vous trompez. Si vous avez l'habitude, vous aviez eu à être entouré des gens comme ça. Pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je sais que les menaces vont sûrement continuer et continuer. J'aimerais juste vous dire ceci. Vous, Oyo. Je sais que le pasteur Wana Oaleki na télévision, il a dit des choses, il n'a pas inventé. Il a dit des choses qu'on lui a dit. Et ça m'a kambo parce que de lui-même, Aozaba, information en a été. Alors, moutoua zopé sa eba information. Vous vous trompez. Et puis, bozo mi edete. Bozo mi edete. Bozo mi edete nabinote. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué, c'est regrettable, c'est décevant, j'ai mal au cœur, en fait, jusqu'à ce point. Je me retrouve aujourd'hui au milieu d'un problème, au milieu d'une affaire dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Et je vais le dire tout haut, là, sur cette vidéo, que même si aujourd'hui Madjabou tenait, voulait travailler avec moi, je ne dirais jamais oui. Jamais. Je ne me sens pas confortable de le faire. Je ne le ferai pas. Au nom de la paix, je ne le ferai pas. Non, ça a monté. Donc voilà, je décide donc de continuer mon chemin seul. Par la grâce de Dieu, étant ouvert des nouvelles collaborations sous des termes meilleurs, je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu ne me laissera pas tomber, je le sais. Je sais qu'ils vont continuer, ils vont spéculer, chercher à me salir, à raconter des mensonges comme d'habitude, à spéculer, à... Voilà. Je sais que ça va continuer, mais écoutez, Dieu est juste. Et je vous assure que tout ce que nous faisons, Nyonson, et Futamaka, Awanase, tout se paye ici-bas. Tout, sauf rien. Ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui l'a dit. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je laisse tout entre les mains de Dieu
Vous qui salissez, vous qui savez si bien salir les autres, vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent, allez-y, continuez. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que je suis dans la vérité et la vérité triomphe toujours. Voilà. Je vous aime. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, Teddy Disso. Merci.